Salut à tous, aujourd'hui nouveau chantier, aujourd'hui on fait de la clôture. Donc on va remplacer là cette clôture souple. On y a 25 mètres à faire. On va remplacer par de la clôture anthracite rigide avec clôture de dalle de soubassement de 50. Donc là on va commencer par relever toute la clôture. Parti, on est en rouge. Il faut juste encore relever les poteaux, on attend la pelleteuse pour ça. On enlève encore une fois l'autre côté. Ici là. C'est parti.
il a plu un peu, mais apparemment ça commence à s'arrêter, donc tant mieux. Là j'ai creusé un peu, à peu près moins 15, moins 10 pour la pose des dallettes. Et puis maintenant on va ramasser toute cette terre là et on commencera à creuser les trous. Là on est à plat avec la brouette, heureusement j'ai un petit compresseur sur batterie, bien pratique. Donc là on a un peu avancé, on a fait trois panneaux. Donc là comment on procède, donc on met notre dallette là, on met notre panneau de grillage au-dessus, ensuite on vient mettre le poteau ici, et ainsi de suite on remet la dallette, grillage, et puis le poteau. Fin de journée, il est pas loin de 17h. Maintenant on va juste encore mettre un petit coup de jet de là sur le trotteur. Là avant de partir je passe toujours un petit coup de microfibre pour relever parce qu'il y a toujours un peu de laitance de ciment qui peut rester là. Souvent on en a un peu sur les doigts, on touche les poteaux, ça laisse un peu de laitance, donc
pour éviter ça. Un petit coup de microfibre avant de partir. Ça prend 5 minutes, mais on laisse un chantier propre derrière. Surtout pour relever là, cette latence là qu'on a, si vous voyez. Donc ça c'est quand on a fait la cale béton, quand on a mouillé le béton, il y a ça un peu giclé sur le poteau. Donc il faut absolument que j'enlève ça, parce que sinon ça va être compliqué à relever par la suite.